En 2018, l'association Transparency International Initiative Madagascar collabore avec les journalistes malgaches dans la réalisation d'une investigation sur le trafic de bois de rose. C'était le premier fruit d'une collaboration qui s'est confirmée à ce jour. Le réseau MALN voit le jour en 2018. C'est un réseau de journalistes d'investigation qui se spécialise dans le domaine de la lutte contre la corruption. En 2022, le réseau compte 20 journalistes seniors et juniors, 4 techniciens réalisateurs, cadreurs et monteurs. En 2021, le réseau a réalisé 21 articles et 9 reportages sur les thèmes de la corruption dans divers domaines, éducation, marché public, ressources minières, gestion des aires protégées, santé publique et Covid-19, l'électricité, financement des campagnes électorales, corruption sexuelle dans l'enseignement supérieur. Deux conférences débat sur l'accès à l'information et sur la situation de la liberté de la presse à Madagascar. Deux numéros du magazine Tchandjakabaïmal, disséminés gracieusement dans tout Madagascar. 5 formations thématiques, dont 3 sessions sur l'immersion dans le monde du journalisme d'investigation au profit des jeunes journalistes. Depuis 2019, le réseau organise annuellement le Grand Prix MALN qui récompense les meilleures investigations réalisées par les journalistes malgaches. Chaque investigation du réseau MALN est un travail de longue haleine, mobilisant un staff de journalistes, des techniciens, de fixeurs, d'accompagnateurs et une équipe transversale sur plusieurs mois. En 2021, nos journalistes se sont déplacés dans plus de 60 de localités dans tout Madagascar. À ce jour, le réseau MALN est soutenu par une douzaine de partenaires qui rejoignent l'association Transparency International Initiative Madagascar, dont le soutien à une presse libre, indépendante et émancipée dans toute pression sur son contenu éditorial. Nous relevons le challenge d'un journalisme d'investigation professionnel au service de la lutte contre la corruption. Chacune de nos productions est une pierre posée par nos journalistes à l'édifice d'un Madagascar qui avance dans la lutte contre la corruption.